Des femmes, point de vue des hommes, avec notre animateur Bert. Yeah. Yo, 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 yo! What up, Bert? What's up, guys? J'espère que vous allez bien. Always, always. Un plaisir de vous voir, guys. Merci de nous avoir invités. Merci. Merci beaucoup. Seconde, ben, c'est pas grave, on continue. C'est sur Internet. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est qu'en pensez-vous? L'union fait la force. Écoutez, ce titre aura tout son sens une fois qu'on va discuter avec nos invités, donc Luigi Labarrière, Kenny Thomas et Don Harley, fils aimé. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Yes, je vais vous donner quelques minutes pour vraiment prendre le temps d'expliquer ce que vous faites, donc vos occupations, où est-ce qu'on peut vous rejoindre sur les réseaux sociaux, parce que vous êtes quand même très actifs dans la communauté et on vous connaît. Donc, Luigi, on va commencer par toi. Alors, bonjour à tout le monde. Merci de m'avoir invité. Ça me fait un extrême plaisir de partager avec des amis, entre autres, et toi. Tu es mon ami aussi, en passant, maintenant. Alors, je me présente. Mon nom est Luigi Labarrière, a.k.a. Soundproof, a.k.a. RGD Rap, rapper depuis les années 88-90 à Montréal. Ensuite, je me suis impliqué communautaire. La première activité, c'était le tournoi de basket de rue, dont j'ai été un des instigateurs qui a contribué à s'asseoir sur pied en 93. Et ensuite de ça, j'ai eu la passion d'animer, voyager un peu avec, habiter en Floride, faire de la radio dans la communauté haïtienne, puis radio commerciale là-bas. Revenu ici, CPAM, Radio Centre-Ville, C'est quoi, DJ, conférencier, coach. Et maintenant, j'ai ma propre collection de linge et je fais des conférences et des interviews à travers le monde sur YouTube. Autant voilà. Curriculum vitae. Wow. À part d'avoir rencontré le KKK dans ma vie pour avoir travaillé pour une entreprise dont ils étaient propriétaires, puis un white supremacist au Canada, tout va bien. Oh! OK, restez saisis. OK! Just another Tuesday. It worked. OK! Kenny? Kenny Thomas, je suis intervenant jeunesse depuis à peu près 18 ans. Présentement, je suis coordonnateur clinique pour un organisme qui s'appelle Entre Maisons Antiques, qui fait de l'intervention dans les milieux HLM dans le quartier antique, donc à André-Grasset, Saint-Sulpice et Meunier-Tardeuse. Sinon, parallèlement, je suis un artiste hip-hop sous le nom de Simon Says, anciennement de Joker. Je suis auteur, compositeur, interprète, beatmaker, producer. J'écris pour d'autres personnes aussi. Sinon, je suis fan d'impro. J'ai coaché l'impro longtemps. Je donne des ateliers d'impro dans des organismes en réinsertion vers le marché du travail. J'ai coaché au secondaire à Caïssa-la-Vallée. J'ai coaché au collégial aussi. Puis, c'est ça. Puis, récemment, j'ai été comme... choisi par le Conseil des arts de Montréal pour une résidence à Kigali en 2021. Donc, d'accord. Deux sur deux, curriculum vitae, OK. Attendez là. Les panélistes sont lourds. Bon, j'allais donner la version accélérée. Je suis pas sûr que j'ai envie de donner la version accélérée après les CV de ces gars-là. Je vais vous donner une version relax. Don Harley, fils aimé, de vrai nom, mon nom d'artiste Don Carnage. Écoute, je suis un artiste connu, je suis nominé à la disque, j'ai joué dans 22 pays, been there, done that. Ma plus grosse tournée fait 58 villes, 58 jours. The Jigger Man. J'étais beaucoup sur scène. Ceci dit, quand j'ai mis la musique un petit peu sur la glace, je suis tombé dans le domaine communautaire. Donc à Montréal Nord, je croise les Luigi Labarrière, les Kenny Thomas, big time, j'ai been there, done that, cross bird, I know what's up. Depuis les 15 dernières années, je suis directeur, je suis impliqué à Culture X, mais depuis les 8 dernières années, je suis directeur de Culture X.
On donne des cours de piano, de guitare, de chant, de montage vidéo, de solfège, d'écriture de chansons, de sonorisation scène, sonorisation studio gratuitement. Ça, c'est sur CultureX. Je suis propriétaire d'un organisme qu'on a, en fait, d'une école d'anglais qui s'appelle le CIAM, le Club d'immersion anglaise de Montréal. On donne des cours d'anglais en ligne. Ça veut dire les gens, ils peuvent suivre des cours d'anglais. J'ai des clients au Maroc, en France, en Guadeloupe. Puis je donne des cours de français en ligne aussi pour l'Ouest canadien et Toronto. Je travaille également en tant que professeur de français dans une école du nom du Maison Samix. Et c'est ça, c'est ce qui m'occupe le plus. Ancien propriétaire d'un studio d'enregistrement à Alcatraz. Écoute, you want it, il y a grand chose que je l'ai fait. Je suis vraiment, vraiment impliqué là-dessus. So, vous allez me trouver, donne Arley Fils-Aimé sur Facebook. Got me there. Yes, inquiétez-vous pas, de toute façon, à la fin de l'épisode, il va avoir toutes vos informations. C'est sûr que tout le monde va vouloir le voir, qu'est-ce que vous faites, parce que vous voyez des figurines qui nous... On fait beaucoup de choses. OK, je me sens quasiment mal, parce qu'il commence avec la petite table des femmes. On est arrête. Faut commencer au contraire. Mais je suis content. Mais non, mais c'est nous ton plancher. C'est ça. Yes. Nous, on est ton plancher. Toi, t'es en haut de nous. C'est ça que tu as besoin de comprendre. C'est nous, ton plancher. Tout ce qu'on a fait partie de ton CV. Comment, let's go, Oprah. T'es capable, Oprah. I'm not Oprah. That's for sure, I'm not Oprah. Oprah La Rochelle. Go. Trust me. On va être là. Let's go. En tout cas, moi, les gars, pour commencer, man, j'aimerais premièrement vous remercier d'être venus. Parce que qu'être des panélistes comme ça, des panélistes de qualité comme ça, écoute, on aime ça, tu comprends? Puis on va en profiter aujourd'hui. Mm-hmm. On va rentrer dans le vif du sujet. Puis aujourd'hui, là, dans le vif du sujet, moi, la question que j'aurais aimé ça vous poser, vous avez regardé les médias, vous avez vu qu'est-ce qui se passe à la télévision, vous avez vu comment on dépeint notre communauté à la télévision, comment on dépeint Montréal-Nord, Bineuf, Saint-Michel, tous les quartiers défavorisés présentement. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en dites de ça, vous? Comment ça vient vous chercher? Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que ça vous parle? Moi, c'est ça que j'aimerais lancer comme question aujourd'hui. Yeah. Qui se lance? Ouais, qui est-ce? Ben, premièrement, avant tout, très important, j'aimerais saluer et condoléances et respect à tout le Minnesota puis à la famille de George Floyd, qui était un bon ami de Stephen Jackson, un ancien joueur de la NBA. La chance de jaser avec eux via l'Instagram, pas à Floyd, mais à l'autre, à Stéphane. So, salutations, respect à tout le Minnesota. So, c'était très important pour moi de dire ça. Puis revenir à Montréal-Nord, Saint-Michel, tout ça. Je crois que des fois, c'est malheureux que ça se passe, mais je commence de plus en plus à juste l'accepter, puis changer de poste et chercher un poste ou créer une plateforme qui peut nous déteindre, nous présenter sur un autre aspect, puis aussi la déformation, de désinformation, je pourrais dire, là, j'ai le mot sur le bout de la langue, mais c'est quelque chose qui se fait constamment, parce que moi, après avoir vu certaines nouvelles, j'ai fait un tour avec mon véhicule pendant 45 minutes sur mon téléphone cellulaire, puis j'ai présenté Montréal-Nord sur toutes ses facettes, pas seulement un demi-kilomètre carré où il y a 8900 personnes qui habitent là, entre Maurice-Duplessis, Saint-Michel, L'Angelier et Roland. C'est pas moi qui crée le chiffre, c'est ça. Il y a 8500 personnes, c'est 10% de la population de Montréal-Nord qui s'étend jusqu'à Saint-Michel et industriel. So, c'est une miséducation que de dire que c'est juste des Noirs qui sont à Montréal-Nord. Il y a des maisons à 2 millions de dollars. Il y a des quartiers qui s'appellent le quartier des fleurs. On a des centres d'achat. On a des marchés. On a un Canadian Tire. On n'a pas juste deux coins de rue qui passent constamment aux nouvelles depuis 25 ans, 30 ans. J'ai connu ça. J'ai connu des amis qui l'ont rendu célèbre. J'ai connu des amis qui sont décédés à cause de ça. Mais ce n'est pas juste cette réalité-là de Montréal-Nord pour y avoir habité, travaillé, coaché, joué au basket. J'ai battu Kenny une couple de fois au Parc Saint-Laurent, mais c'est une autre histoire. Mais il y a une réalité très importante à Montréal-Nord qu'il faut étaler. Got you. Kenny, you want to go? C'est quand même une bonne question, puis une question assez dense, je dirais. Moi, je pense que, en fait, je regarde beaucoup ce qui s'est passé avec George Floyd. Je suis vraiment comme, OK, comme maintenant, c'est rendu que on est, malheureusement, c'est qu'on est habitué
Ça passe partie de notre quotidien. Heureusement, par contre, la rhétorique américaine ne s'applique pas, ça ne se calque pas à 100% sur la rhétorique qui est canadienne et encore moins québécoise. Merci. Québécoise. Yes. Une chance. Je pense qu'il faut, faire la part des choses lorsqu'on réfléchit à ça. Maintenant, je pense qu'il y a un momentum, puis pour rejoindre un peu l'idée à Luigi qui dit qu'il veut se créer, tu sais, qu'il veut se servir de ses propres plateformes, puis Luigi, c'est un OG, là, comme c'est vraiment comme, c'est une figure respectée à Montréal-Nord, c'est qu'il est impliqué depuis vraiment longtemps, de près ou de loin, le basket de lui, c'est lui qui l'a dit plein de fois, je me rappelle en 98. Je sais pas pourquoi je me rappelle de ça, mais je me rappelle en 98, c'est toi qui animais le truc, t'as animé le truc d'une main de maître. Et pour moi c'est ça vraiment c'est là qu'on peut vraiment faire une différence ou du moins avoir un impact qui puisse inspirer d'autres à se mettre dans leur communauté, tu sais, un peu comme ce que Don fait, un peu ce que Luigi fait, ce que Bobby fait, ce que Will Prosper fait avec Woodstock, mais c'est ça, je pense qu'il faut se servir de ce momentum là pour justement aller chercher les jeunes, aller chercher les gens qui sont marginalisés ou qui ont de la rage, là, qui ont de la colère, mais qui ne savent pas nécessairement quoi faire avec ce sentiment-là, puis de rendre ça positif, tu sais. Voilà, moi, c'est comme ça que je veux voir. Don, okay. Let's go! Bro, OK, je suis cool, j'ai entendu les gars, puis je suis d'accord avec ce qu'ils disent. MC Hammer, c'est drôle que je parle de lui, parce que MC Hammer, c'est un de ceux qui a investi dans YouTube en premier. Et quand MC Hammer, ouais, quand YouTube avait 4 ordinateurs, MC Hammer était là. Si tu vas sur Internet, tu vas le trouver. Et MC Hammer avait dit, moi, j'investis dans YouTube parce que je veux pas qu'une seule personne soit capable de bloquer ma musique pour tout le monde. Tu comprends? Un seul partner, une seule personne dit, bon, ok, non, on aime pas ça, next thing you know, ça peut pas toucher le public. Fait qu'il a investi dans YouTube. Fait que tu vois déjà où est-ce que je m'en vais dans cette histoire de médias. On a besoin de créer nos propres médias. Maintenant, j'allais dire qu'on a besoin de créer nos propres médias, mais les médias traditionnels sont en train de tomber. Les médias traditionnels sont morts. Moi, chez nous, ça fait peut-être 7-8 ans, j'ai pas le câble. Moi, c'est Netflix. J'ai toutes les plateformes. J'ai tout ce qui avait l'habitude de me coûter $200 par mois, me coûte $200 pour l'année. J'ai tout ce que je veux, tout ce que j'écoute. Puis en plus, sur ces plateformes-là, je me vois. Parce que quand je écoute la télévision québécoise, je me vois pas. Tout le monde est blanc, puis quand il y a un noir, ben, il parle de même. Fait que est-ce que tu comprends? Wow. Fait que quand je regarde Netflix, tu sais, je me vois là, le noir est là, il est capable d'être un avocat. Chaque fois qu'il est là, c'est pas toujours un membre de gang de rue. So, personnellement, je crois beaucoup dans nos médias, dans notre force d'être capable de faire les médias. Maintenant, nous, on a juste à être originaux. Je veux dire, ça reste qu'il y a des gens, tu sais, je suis là à la table des femmes, tu sais, j'ai la partie de l'opinion des hommes. Puis c'est des affaires que je savais déjà qui existaient. Franchement, je veux dire, j'en ai déjà vu. Je sais les gens que tu vas accueillir pour tous les noms que tu as nommés pour la table des femmes, c'est du monde que je connais, c'est du monde que je vois faire leurs propres affaires. Je dis, yo, un gars comme Kevin Calix qui reçoit des commanditaires, etc. Franchement, je veux dire, tu peux aimer, apprécier, ne pas apprécier, mais ça reste que Luigi Labarrière, quand je m'installe, je sais qu'il est capable de faire une entrevue d'une heure avec du monde que, tu sais, je veux dire, qui sont à l'autre bout. Tu sais, it's something. We are quelque, on n'a plus besoin de OK. À l'époque, parce qu'on n'a plus besoin de personne, on est capable, on a juste besoin d'être originaux. Je vais nommer encore quelqu'un d'autre. Bill Gates avait dit, je vais donner un ordinateur à chaque personne dans le monde parce qu'un ordinateur va leur permettre d'avoir le même pouvoir qu'un CEO. Mesdames et messieurs, je suis assis devant vous aujourd'hui, je suis assis chez moi, OK? Je suis en train de vous parler de mon iPad. Bien tranquille, je prends des notes sur mon iPhone. Est-ce que vous saviez que le iPhone 4 est plus puissant que tous les ordinateurs qu'on avait mis ensemble pour envoyer Apollo sur la Lune? OK? Ça veut dire qu'on a de la puissance dans nos poches, là. On a de la puissance pour faire tout ce qu'on veut. Puis c'est nous. Nous sommes les créateurs de l'art. Tu sais, je veux dire, people copy us. People copy us. Comment je veux dire? Nous sommes les vecteurs de la mode. Nous sommes les vecteurs de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. So, à partir de maintenant, je vais essayer d'expliquer. J'ai vu que des jeunes ont chassé les journalistes de Montréal-Nord dernièrement. Jusqu'à un certain moment, j'étais content. Je me suis dit, we don't need you. Parce que de toute façon, quand tu nous regardes, même si j'ai beau t'expliquer, j'ai beau te dire, écoute, c'est pas ça, c'est comme ça. Tout ce que tu vois, c'est que tu vois le pauvre de Montréal-Nord, le ci, le ça. Je vois que tu veux pas m'aider de toute façon parce que ça fait 20 ans que j'explique. Puis je vois que ça, y a rien qui change. You know what? Maintenant, je vais me concentrer sur moi-même et les miens de façon à leur dire, regarde, tu vois le téléphone que t'as dans tes poches?
you're a king, you're a CEO, make it happen. Mm-hmm. C'est ça que je veux dire. Yeah. Bah, moi, pour faire un pouce à tout ce que vous dites, guys, moi, je suis entièrement, entièrement d'accord avec vous. Puis je pense que dans la communauté, moi, je pense qu'il faut qu'on s'indigne un peu aussi par rapport à ce qu'on entend. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont blogués sur les médias. Il y a beaucoup de nos parents qui sont blogués sur les médias. Ils sont en train de rentrer dans la tête de beaucoup de nos proches, des personnes qui sont alentour de nous. Puis par le travail qu'on fait présentement, je pense qu'on aide à démystifier, à débroussailler un peu tout ce qui est en train de se faire. Parce qu'il faut que les gens restent réalistes et comprennent qu'il y a un agenda derrière tout ça. Là, tu comprends ce que je veux dire? Il y a un agenda. Puis eux, ils sont en train de faire un travail. Puis nous, on doit contrecarrer ce travail-là. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas qu'est-ce qu'ils essayent de nous stigmatiser avec. Tu comprends? On essaye de nous coller une étiquette. On essaye de nous coller dans un petit coin en disant que nous, on ne fait rien, qu'on est toujours dans les gangs de rue, que la seule chose... Parce que chaque fois qu'on fait quelque chose de positif, c'est pas ce qu'on met de l'avant. Mais chaque fois qu'il va y avoir quelque chose de négatif, c'est toujours ce qu'ils vont mettre en avance. Et en plus, je suis tanné d'écouter tout ce qui est en train de se faire aux États-Unis. Pourquoi? Parce que c'est comme si on normalisait le fait qu'on tuait des jeunes noirs. Tu comprends? Je ne l'écoute pas. C'est horrible. Puis, des fois, je suis comme, on devrait juste les signaler sur Internet et les couper pour que les gens ne puissent pas les voir. Tu comprends? Ces horreurs-là, tu comprends? Parce que ça vient normaliser dans la tête des gens qu'on tue des jeunes noirs. On ne serait pas supposé de regarder ça puis de trouver ça normal. Tu comprends? Ouais, c'est pas normal. Tu comprends? Parce qu'on est des humains. On est tous des humains. Sur la Terre, je pense que le dénominateur commun sur cette Terre-là, c'est qu'on est des humains. À la base, tu comprends? Ouais. C'est le dénominateur commun. Fait que si on est capable de mettre là-dessus, je pense qu'on peut aller puis build de plus en plus loin. Puis, à la base aussi, il y a beaucoup de l'éducation présentement que je trouve qu'au niveau de nos jeunes, il y a un manque d'éducation au niveau de l'histoire, il y a un manque d'éducation au niveau de notre histoire haïtienne, tu comprends ce que je veux dire? Mm-hmm. Pour redorer notre blason, pour avoir la force, parce qu'on a amené des révolutions, on a amené des grosses révolutions, puis on dirait qu'il y a personne qui en est conscient. Quand on marche la tête baissée au lieu de marcher la tête haute. On est supposé marcher la tête haute, tu comprends? Et je ne comprends pas que comme si, quand on marche dans la rue, quand on voit ces médias-là, qu'il n'y en a pas d'entre nous qui sont capables, malgré qu'il y en a d'entre nous qui soient capables de le faire, mais je voudrais qu'il y ait plus de jeunes qui soient capables d'être articulés, puis être capables de passer leur message, qu'on va juste passer un message. En fait, tu vois, moi, personnellement, tu vois ce que tu viens de dire en dernier, là, c'est cette partie-là que je ne veux plus faire. Je veux plus t'expliquer. I don't need you. I don't need you. Ok. C'est trop bien. Je veux dire, moi, si je veux articuler mon jeune, mes enfants parlent tous trois langues. Ok. Couramment. Ok. Mes enfants parlent en français, anglais, créole, couramment. Ma fille, elle a 9 ans, elle parle l'espagnol. Elle commence à parler l'espagnol. Tu comprends ce que je veux dire? So, je travaille très, très fort pour mettre mes jeunes, pour qu'ils soient aussi efficaces et aussi puissants que moi. I don't need you. Fait qu'à partir de là, je pense que j'ai plus de messages à faire passer. Il y a une chose que tu as dit vraiment importante sur laquelle je veux. Le message, on a déjà essayé de le faire passer. On s'entend. Martin Luther King, I have a dream. Tout le monde est capable de parler de ça. Le message est le message part pas. OK? Voici où est-ce qu'on est. OK? Moi, je suis dans un état parce que je me dis, nos jeunes, là, il faut qu'on arrive à les impressionner. On n'attire pas des mouches avec du vinaigre. Moi, éventuellement, là, si je suis une superstar, comme moi, je débarquais à Montréal au début, maintenant, OK, je veux dire, les jeunes, ils sont plus impressionnés quand ils me voient, c'est Don Carnage. Bon, ah, moi, c'est Don, je suis dans son bureau invité. Tu sais, mais quand je suis arrivé à Montréal-Nord, c'est comme, oh, OK, c'est Don Carnage, yo. Fait que quand les jeunes, quand je parlais, ça voulait dire quelque chose, et ça veut encore dire quelque chose parce qu'aujourd'hui, ils me connaissent, mais ça voulait dire quelque chose parce que, yo, ce gars-là a fait quelque chose que moi, je veux faire. Mm-hmm. Alors là, j'avais leur attention. Fait que, I think we need to keep doing like that. Quand tu parles là, OK, Bert, je veux pas que tu parles juste de tes médias, non. Je veux que tu parles du fait que tu es un entrepreneur, du fait que toi, tu es un patron. Toi, tu as ça. Tu comprends? Parce que les jeunes, là, dans notre éducation, et là, je ne vais pas m'étirer parce que je sais qu'on va sûrement vers là, mais dans notre éducation, on nous a dit que si on n'était pas médecin, si on n'était pas ingénieur, si on n'était pas avocat, si on n'était pas agronome, on allait foirer, on n'était rien. Est-ce que tu comprends? C'était une question, si on n'avait pas de diplôme universitaire, on valait rien. On était, ouais. Alors que c'est pas vrai. Tu comprends? Tu as déjà appelé un plombier, frère? Le gars, avant qu'il touche ta maison, tu lui dois 200 dollars. Un garagiste, c'est la même chose. Tu amènes ta voiture sur le garage, le type, là, il te demande 2000 dollars.
il cligne même pas des yeux, ses yeux sont bien secs. Là, il te demande, ouais, tu veux réparer ton micro, c'est 2000. So, moi, c'est ça que je veux dire à mes jeunes. Je veux dire, écoute, mon fils, je te donne la route de l'école. Si tu es capable d'être médecin, go ahead, do it. Mais si jamais tu n'es pas capable d'être médecin, frère, j'ai un plan B, un plan C, un plan Z pour toi, frère. Mm-hmm. And you will succeed, and I will stand by you. Puis je vais être fier de te promouvoir. Yes. À un, deux ou trois garages. That's what I'm saying. C'est là que je m'en vais. Je pourrais même donner un exemple pour avoir animé un peu partout à travers le Québec, puis voyager un peu. J'animais pour le Grand Prix de Montréal, puis j'étais pour Toyota puis Honda, sauf pour l'écurie. Puis on avait des stagiaires de McGill, OK? Tous des jeunes, petits caucasiens, ainsi de suite. It's all good. Mais tout ce qu'ils voyaient, c'est que c'était moi la grande gueule qui avait le micro, qui était hot, hot, hot. Mais animé 8 heures par jour, pendant 8 jours, pendant la semaine du Grand Prix, back to back, moi, ça me fatigue. Il faut tout le temps que je trouve quelque chose à dire. Mm-hmm. Et un jour, j'ai laissé l'équipe, parce que j'avais un autre contrat. J'ai laissé l'équipe, puis ils ont donné à un des dans communication à McGill d'animer. Ils t'ont appelé tout de suite. Non, ils m'ont pas appelé. J'ai laissé faire son truc. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que 2 jours avant, il m'avait demandé mon téléphone pour qu'il trouve son téléphone. Je me suis rappelé du numéro. Je l'ai appelé à la fin de ma journée à 11h pour savoir comment ça a été pour lui. Il m'a dit, tu sais quoi, j'ai bien beau animer, aller à l'école pour la communication, mais c'est pas fait pour moi. Tout ça pour dire, faire un lien avec ce que tu dis, c'est que tu as bien beau avoir une formation, il y a une expression créole qui dit, monocap qui dit, « Gonna costume mon bourrique, rive midi, faut runner. » C'est-à-dire, parce que quand midi frappe sur le dos d'un âne, il faut qu'il chiale parce qu'il fait chaud sur son cou. Chaud, chaleur, papa. Chaleur, you'll find out quand t'es dans le four, puis t'es dans le champ de bataille, dans la cuisine. So, y a du monde qu'on veut qu'ils soient des infirmiers, ou qu'ils soient un auxiliaire, ou qu'ils soient un mécanicien, ou qu'ils soient whatever. Moi, je suis mécanicien de formation puis opérateur de machinerie lourde par prêt, formation. J'ai jamais travaillé dedans plus qu'un an. Je veux dire, tout le monde me connaît pour autre chose, pour imprimer des t-shirts, animer, faire des projets communautaires. Mais je suis diplômé mécanique automobile depuis 1995. Ça ne veut pas dire que j'ai pris la formation qu'il faut que je me tienne après cette corde-là nécessairement. Et je crois que c'est ça. And you make your money. Oui, c'est ça qu'il faut qu'on dise aussi à nos jeunes, ça soit notre génération aussi, et les anciens à qui j'ai parlé, qu'on connaît dans le public, puis j'ai des conversations assez deep des fois, c'est de dire, de partager, puis dire, you are somebody. Peu importe ce que tu fais. Arrête de camoufler, de m'esquiver. Je sais qui t'es, puis je sais à qui je parle et je sais à qui je veux parler aussi. C'est pour ça que je suis venu voir. Je suis pas venu parler avec la cravate, c'est pas ça, non. Il faut qu'on commence à être à l'aise, à dire, ben OK, j'étais un mécanicien, puis j'ai jamais travaillé en mécanique. Ça veut, c'est pas grave. Moi, je pense que c'est l'estime de soi qu'il faut qu'on commence à transférer. Avant, la génération avant, haïtienne, qui sont venues les années 70, et mon fils qui a 26 ans, et ma petite nièce qui a 3 ans, 4 ans, qui habite à Jonquière avec son papa qui est mulâtre. So, il y a tout ça qu'il faut qu'on commence à parler, puis le passé, puis TVA. On n'a plus, comme Don a dit. On n'a plus besoin de ça. Ciao. Écoute pas les nouvelles, bro. TVA, sinon, ça joue pas, là. Yeah. Ben, c'est ça. Là, on parle de, OK, tu sais, pas de TVA, puis il faudrait pas écouter les nouvelles, tu sais, mais nos parents, c'est comme moi, mes parents sont pas très in dans la technologie. Fait que là, ils passent son temps à écouter TVA, puis toute la bullshit qu'ils racontent dans TVA. Comment nous, tu sais, puis ça reste dans le même sens la question, comment nous, on peut se faire représenter dans les médias? Est-ce qu'il va falloir vraiment que, je sais pas, qu'on donne un cours à nos parents, puis qu'ils aillent sur le web? Est-ce que nous, notre génération, on doit se donner un terrain parce qu'on a besoin d'avoir des nouvelles? Il y en a, une question que je vous pose. Ce n'est pas mon opinion, mais c'est juste comment on peut avoir des nouvelles sensées sur notre communauté. Cher, deux volets. Merci. Si je ne me trompe pas, à la Perle, retrouvée, au PCHM, ils donnent des cours pour les aînés. Okay? Parfait. Ils en donnent des cours. Okay? Ça, c'est une chose. Mais l'autre chose, c'est que les médias qu'on a, okay, haïtiens, si on parle haïtien, okay, parce que moi, je me dis Canadien d'héritage haïtien, puis c'est très technique et politique quand je le dis, là. C'est pas que je rejette. Uh-huh. Mais je suis Canadien d'héritage haïtien. Je suis originaire de Montréal. Think about it. Yeah. Revenons au sujet, c'est que nos médias
haïtiens ont une part de responsabilité. Que tu sois un animateur de 55 ans, 75 ans, 49 ans, 42 ans, tu as un devoir d'informer. Je ne veux pas juste savoir à propos d'un jazz qui s'en vient à Montréal. Je veux pas savoir le zin des deux députés ou du député gouvernemental puis qui dit ça que passer avec un autre politicien juste pour faire leur parole. Il y a plein de sujets que ces aînés-là aimerait entendre dans ces médias traditionnels-là, que ce soit Radio Centre-Ville, CPAM, de 1270 ici à Montréal, et ainsi de suite. Mais moi, j'ai des parents québécois dans ma famille, OK, qui ont 61 ans, puis ils ont leur tablette, puis ils écoutent leur fils. Il y a des communications, encore une fois, que je répète, une communication ouverte et franche. Mami, où qu'on aimerait mon papa venir demain? Mais où qu'on est de même gueule à montrer qui j'en cellulaire à marcher? Pas seulement sur WhatsApp, non? Ma mère, pas seulement sur Facebook, non? Il y a ça comme relation intergénérationnelle qu'on n'a pas tous nécessairement. Mais c'est notre responsabilité même d'être capable d'éduquer nos parents à la nouvelle technologie. Collectif. Moi, j'apprends de mon fils apprend de moi. Quand je vais enseigner quelque chose à ma mère parce qu'elle a passé 18 ans de sa vie à m'héberger, ben je vais y transférer, mais il faut qu'elle soit ouverte à comprendre que j'ai quelque chose d'autre à y amener aussi. Ouais. Tu comprends? Ouais. OK. Moi, je vais suivre là-dessus, OK? Tu vois, tu parles de tes parents. Tes parents, là, moi quand je suis entré dans la musique, OK? Écoutez, mon premier album est sorti en 1999, OK? En 2020, là, quand les gens me croisent dans la rue, je suis encore dans le carnage. OK? C'est ça que tu as besoin de comprendre. Mm-hmm. Moi, mes parents, ils étaient anti-musique, là. Mes parents, ils ont dit non, on ne peut pas faire musique, c'est pas l'école, l'église, c'est l'église. You know? Tu comprends? Mais il y a une chose très importante, donc. Mon père n'a jamais vraiment rien dit. Mon père n'était pas d'accord, il n'était pas trop sûr. Non, musique, mon fils, c'est pas qu'on est. Mais quand je suis arrivé, puis que j'arrive avec le cahier de la disque, il y avait ma figure, puis à côté, il y avait la figure d'Éric Lapointe, il y a backup. Mm-hmm. Il a dit ah, OK. OK? Et c'est là, parce que lui, il avait besoin d'Éric Lapointe pour me valider, pour savoir où est-ce que moi j'étais. Ouais. C'est pas ce que je veux faire. C'est pas ce que je dis. C'est là, ça veut dire que moi, je suis capable de faire ce que l'autre fait aussi. Je suis capable d'avoir la même nomination. Sauf, ça veut dire que moi, je pense, la seule façon, je répète exactement ce que j'ai dit, Jordana, si tu te promènes, OK? We need to create our own superstars. Yeah. Mm-hmm. T'as besoin de créer our own superstars. Moi, ce que je veux là, c'est rentrer dans une école, puis trouver le jeune qui a la meilleure note. Puis je veux trouver le jeune qui s'est le plus amélioré. Puis je veux le filmer. Je veux mettre $500 pour lui donner le iPad. Je veux que l'année prochaine, ses parents ne payent pas l'école pour lui. I want to do that. Les autres 1804, ils font un peu ça. Mais moi, là, I want to make them superstars. Je veux qu'on arrête de dire à nos jeunes que si ce n'est pas du basket, c'est la musique. Je veux que le jeune qui utilise sa tête aussi, I want him to become a superstar. C'est pour ça que quand il marche dans la rue, les gens disent, oh, ça c'est le gars qui a gagné telle bagaille, telle affaire que tout le monde veut parce qu'il est fort à l'école. You know what I'm saying? So, ça veut dire que tu n'as pas besoin de convaincre tes parents. What you need to do is do the best you can. Okay? Yeah. T'arranger pour que toi, tu deviennes une superstar en transformant ta communauté en superstar. Éventuellement, tes parents vont être trop contents. Mais ma mère, là, qui n'était pas down que je fasse de la musique trop, là. Okay? Quand j'ai commencé, là, à faire de l'argent, je me promets que la voiture, puis les voisins commencent à dire, hey, j'ai vu ton fils à la télé. Comprends? Ah, mais oui, c'est que c'est dans le carnage. Bon, bien sûr. Elle était trop contente. You know? Mais pour ça, il a fallu que j'excelle. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? So, maintenant, c'est ça ta responsabilité. T'as besoin d'exceller toi. T'as besoin de faire exceller les gens autour de toi. Yeah. Puis t'as besoin d'être tellement gros, OK? T'as besoin de marcher avec ta mère dans le supermarché, puis quelqu'un dit, oh, Jordana, c'est toi, signe-moi un autographe ou laisse-moi prendre une photo avec toi, je vais te mettre sur mon... Là, tes parents vont commencer à dire... Tu sais? Puis s'il y a de l'argent qui vient avec ça, tes parents vont... Encore mieux. Fait qu'à partir de là, ils vont pouvoir nous suivre. Parce que je pense pas qu'on doit mettre de l'énergie pour les amener trop. On a trop de choses à faire. On a nous qu'on doit devenir meilleur. On a la prochaine génération qu'on doit amener au-dessus de nous. Quand Luigi parle de son fils, I know. Moi, j'ai vu la musique que le fils de Luigi fait. Yo, la qualité de l'image. Je vois le partenaire, là. Ils sont dans autre chose, là, les jeunes. Ils ont tout ça. Puis je sais, tu sais, je sais pertinemment que Luigi s'assoit avec son fils pour dire, yo, son, t'as besoin de faire ça. T'as besoin de faire ça. Voici comment ça fonctionne dans le business. Voici. Sinon, la qualité serait pas là. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Mais les jours où le fils de Luigi devient superstar, yo, on va être trop content pour avoir dit, oh, moi, Luigi, ben, c'est mon partenaire, oui. Comment je veux dire? Oui, c'est exactement ça. So, je pense pas qu'on a, nos parents vont nous suivre. Si on suit vraiment, on devient gros, qu'on n'a plus besoin de personne. Tu sais, je veux dire, c'est maintenant que les Julie Snyder viennent chercher du monde dans le Montréal-Nord, où on va aller chercher des Noirs. Mm-hmm. Ah. Tu sais, non, tu, sais, oui, tu,
tu sais, je vais faire un petit flash vite pour laisser notre Oprah continuer avec son émission. True, definitely, on n'arrive pas à parler. C'est des amis West End, pas amis à fond ça. Non, je te dis. Jordana. Let's go. Jordana. Je vais juste faire un petit flashback par rapport à ça, puis là, j'ai perdu mon idée. Non, mais je pense que tu es en train de dire que tu poussais ton fils, peut-être c'est ça. Non, c'était pas vraiment par rapport à ça. C'était. Ah, okay. Bon, on revient. OK. J'ai une petite question pour toi, Kenny, puis après, tout le monde pourrait répondre aussi. Parce que tu es intervenant, bien sûr. Et tu sais, on a beaucoup d'organismes. Et quand il y a des choses qui se passent, tu sais, on est vraiment solidaires envers nous. Mais qu'est-ce qui manque pour qu'on puisse se faire comme remarquer, respecter? Tu sais, j'ai l'impression qu'il nous manque toujours, que c'est pas pris au sérieux. Tu sais, qu'on a un organisme telle place. Là, il parlait tantôt de l'appel retrouvé où ce que ils offrent des cours pour les aînés. Pourquoi on n'entend pas? Pourquoi ces choses-là ne sont pas comme mis en pleine lumière pour que tout le monde voit qu'est-ce qui se passe? C'est une bonne question. Ce qu'il faut savoir avec les organismes communautaires, c'est que c'est des organismes qui ont été créés à la base, puis donnent et Soundproof pourront le baquer là-dessus, mais c'est des organismes qui ont été créés parce qu'il y avait un besoin dans le milieu. Mm-hmm. Si on prend Montréal-Nord, là, parce qu'on est, trois Nord-Montréalais là, qui ont œuvré un peu ou qui ont œuvré à Montréal-Nord, si tu prends le Café Jeunesse Multiculturel, si tu prends la Maison des Jeunes d'Ouverture, je prends ces deux-là parce que c'est comme parmi les plus vieux organismes. C'est prédominant. Mais c'est des organismes qui ont été créés basés sur un besoin. Mm-hmm. Le besoin dans les années 80, au début des années 80, puis dans les années 90, c'était vraiment d'engager les jeunes d'origine haïtienne, mais tu sais, comme des jeunes issus des communautés culturelles. Dans, eux autres aussi, ils ont le droit de jouer au basket. Ils ont le droit aussi d'avoir des cours de chant. Ils ont le droit de faire les mêmes activités que leurs homologues québécois, entre guillemets, de souche. Mm-hmm. Donc, je pense que déjà là, c'est comme ça devient, avec le temps, ça devient une espèce de grande chambre écho. Tu sais, dans le sens que je pense que ces organismes-là, tu sais, ils vont encore rejoindre les jeunes issus des communautés culturelles, mais je pense que ça reste vraiment au sein des réseaux qui sont créés avec le temps. Tu sais, je veux dire, la maison des jeunes d'ouverture connaît la maison d'Haïti, connaît le G2000 à Louis-Jo. Tu sais, on parle pas du même arrondissement, mais ça reste quand même des organismes qui rejoignent tous les jeunes, je pense, mais qui, à la base, ou de par leur situation géographique, rejoignent des jeunes d'origine haïtienne, des jeunes latinos, des jeunes arabes, des jeunes maghrébins ou libanais, whatever. Mm-hmm. Mais pour répondre à ta question dans une perspective plus proactive, je pense qu'il faut que les gens comprennent que les organismes communautaires, c'est pas seulement pour des gens qui ont des problèmes. Mm-hmm. C'est comme un acteur très occupé et très dynamique dans son milieu. Le SIAM, CultureX, la Maison des Jeunes d'Ouverture, Luigi en tant que personne. Puis Luigi, maintenant que tu es là, je vais te dire là pour de vrai, il a donné une conférence à la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord pendant le mois de l'histoire des Noirs. Mm. Puis pour de vrai, je l'ai filmé, je l'ai mis sur mon story Instagram parce qu'à un moment donné, tu parlais de l'immigration polonaise. Ah oui. Puis là, j'étais comme, I did not know this, OK? Puis là, j'étais comme, wow. Et là, il y a un de mes amis qui était comme, yo, pour de vrai, il y avait une forte immigration polonaise en Haïti. Je suis comme, ouais, man, apparently. Dis, yo, I gotta look this up. Il faut que j'aille m'informer là-dessus, tu sais. C'est comme ça que je pense que tu suspends le truc, tu sais, c'est vraiment de multiplier les efforts. Tu sais, il n'y a pas de, tu sais, tu rates 100% des essais que tu n'as jamais, que tu n'as jamais pris. Tu sais, fait, je pense qu'il faut juste en parler. Tu sais, je veux dire, moi, cette semaine, il y a un organisme qui fait des masques. Tu sais, genre, mm-hmm. C'est pas un organisme, mais c'est des travailleurs du milieu du cinéma qui sont sans job. Puis là, ils ont décidé de faire des masques. Ça s'appelle Cinémasque, Shameless Plug. Je les connais pas, mais je trouve que ce qu'ils font, c'est exceptionnel. Puis moi, je l'ai partagé. Je dis, hey, pour de vrai, si jamais il y en a qui cherchent pour leurs organismes, pour leur CPE, pour leur X, Y, Z choses en période de déconfinement et qui cherchent des gens pour faire des masques, cet organisme-là, it's the way to go. En 48 heures, ils ont des masques pour les interviews. Mm. Fait que je pense qu'il faut qu'on déconstruise un peu, comme dit Don, on n'a pas besoin de la télé,
Maintenant, l'Internet, tout le monde est broadcaster, là. Tout le monde est broadcaster. Everyone. Tout le monde est pris à la marche. Je veux dire là-dessus, Kenny, oublie pas ton idée, oublie pas ce que tu vas dire, mais est-ce que tu as remarqué que toutes les nouvelles, tu les attrapes sur Facebook, sur ton téléphone, sur Twitter, sur Instagram, puis après ça, tu allumes la télé, puis c'est là que tu vois que eux autres même, ils se sont fait d'Internet. Oui, oui, les images, les footage, oui, effectivement. Et pourquoi est-ce que je prends une deuxième version? Arrête là. Exact. Puis tu sais, tout à fait. Puis qui fait qu'il faut que, vu que les grandes structures se sont déconstruites, ben nous, en tant qu'individus, il faut qu'on déconstruise un peu le. On ne peut pas aller à la radio pour faire promouvoir la musique, c'est l'Internet. On ne peut pas. Pour promouvoir un service ou pour Luigi là, qui fait de l'impression, de la sérigraphie, ben tu sais, c'est pour, puis j'ai deux amis qui font de la sérigraphie, puis c'est vraiment comme, yo, je les appelle, je suis comme, yo, comme, si tu veux faire un t-shirt, je te le paye, puis genre, tu sais, je le mets sur mon Instagram. Oui. Moi, je sais que j'ai une mini plateforme avec la musique que je fais, puis avec l'improvisation, j'en ai une autre aussi. Donc, tu sais, ça va rejoindre, ça a une autre portée, tu sais. Fait qu'il faut multiplier ces avenues-là, je pense. OK. Hein? Messieurs? Ben, ouais, t'as pas raison, puis je crois aussi que, comme disait Kenny, mais je le dis autrement, c'est que dans les années 70-80, ces organismes communautaires-là étaient là pour vraiment, un accueil, tu comprends? Mm-hmm. Les nouveaux arrivants, tu sais, fin 60, c'est des mondes intello qui ont été en dehors un peu, ils ont pris leur cours, docteur, whatever, mais 79-80, tu vois qu'il y avait, c'est là qu'il a commencé à avoir les Stivana, Félix Saint-Élien, dans le soccer avec l'autre monsieur de Conaco, tu sais, même Jim Kelly, j'ai oublié son nom. En tout cas, mais tous ces gens-là, mais il y avait un besoin pour ça. Mm-hmm. Mais maintenant, dans les années 90, c'était une autre réalité parce que nous autres, c'est pour ça que je dis que je suis Canadien, parce que je suis américanisé. Je veux dire, je suis un Canadien de l'Amérique du Nord. Je suis un Américain, en fin de compte. Tu vois, je veux dire, je suis dans le rap, je suis cool, je vais me sentir libéré, il n'y a pas de tonton Macoute ici. So, la relation est différente. Elle parce est que différente. Là, je suis un peu plus rebelle. Wapkalem, même pas rentrer. Bon, dernière fois Wapkalem. C'est vrai. Dernière fois Wapkalem. T'as l'aime pas, l'aime pas disparaître. So, t'as l'aime pas déménager, oui, c'est vrai. T'as l'aime pas. Bon, 17 ans. Bon, moi, j'avais une table 3 packs quand je suis parti à 17 ans et demi. Ça, j'en peux plus, là. Bon, père, je t'aime bien, là, mais ça marche plus ton histoire. Bye. Tu comprends? Mais nos jeunes, maintenant, eux, ils sont encore plus Canadiens parce qu'ils ont toutes ces ressources-là. Nous autres, tu sais, Don, avec son histoire, tu sais, dans les médias, avec son album, moi, en 91, j'étais, en 90, en fin de compte, j'étais un des trois qui a passé l'audition pour la première chanson anglophone de Céline Dion, Unison. Yeah, I remember. Mais c'était moi, Boogie V, puis un autre gars de la salle. So, mais moi, à 16 ans, là, mon beau-père, il a bien beau m'amener à toutes mes shows, mais il n'était pas avocat, puis il n'y a personne. Mon beau-père était soudeur, ma mère était couturière, elle faisait ses gâteaux de mariage, sa business, mais aller parler de contrat de disque en 90, mon cher. Je ne sais même pas. À l'école, moi, je viens de parler de la musique. Moi, peut-être moins. C'est une vision de hell. C'est ça que c'est une vision. Il faut le payer, Bill, moi. C'est vrai, c'est vrai. Mais maintenant, mon fils, donne, j'ai partagé les vidéos de mon fils, puis même moi, je dis, I created a beast. C'est comme, wow. Oui, c'est des monstres. Moi, le même détails. So, ils sont rendus ailleurs, mais il faut que le paperwork, l'encadrement, l'administration de ces projets-là soit là, parce qu'on. C'est pas tout le monde qui peut être dans le front. C'est pas tout le monde qui peut être un organisme. C'est pas tout le monde qui peut avoir un casse-croûte. Tout à l'heure, je disais ça à quelqu'un au téléphone. Oui, il y a des casse-croûtes, mais t'achètes où ton porc? De quelle boucherie ou abattoir black? Même pas juste haïtienne. So, il y a tout ça qu'on peut bâtir. Tu sais, j'ai eu en entrevue Jean-Philippe Vézina, qui est maraîcher. Puis je m'en vais l'aider mercredi puis samedi prochain. Toute la journée, je m'en vais clouer avec mon diplôme de mécanicien. J'amène mon marteau puis je vais aider. Parce qu'il y a une ferme puis c'est un black puis il est au Québec. Il est à côté de Sutton. Ça va faire, là. C'est pas juste Foubou. C'est pas juste Fat Farm. On a une farm. Exactement. On a une farm. Exactement. Voilà. C'est juste farm. We got a farm. An actual farm. Yes! Mais tu sais, dans tout ce que vous dites, là, ce que j'entends, c'est que on doit créer... C'est pas qu'on doit créer l'élite
noir est déjà là. C'est de la mettre à l'avant. C'est de la mettre à l'avant. C'est de la faire shiner encore plus. Mais shine déjà, là, tu comprends ce que je veux dire? C'est les modèles positifs. C'est de les pousser encore plus devant pour qu'ils soient tellement en train de briller que les autres puissent les suivre un derrière l'autre. Bert, j'allais dire, ça va prendre trois phrases. Jamais. En fait, vas-y. OK. Bert, il y a un mot d'héritage que tu as dit de façon transfert d'héritage. Les élites. Moi, je vais te dire, en 88, là, quand j'ai commencé à rapper, là, je ne savais pas si j'allais être une élite. Mais je sais que mes amis croyaient en moi, puis ceux-là qui dealaient, whatever, puis je n'étais pas dans les deals, ils avaient acheté des instrumentaux pour moi que je fasse un rap à Danse en Bourassa à 15 ans. Parce qu'ils ont cru en quelque chose. Ils n'ont pas attendu que je sois une élite. Ils n'ont pas besoin d'être une élite. Moi, je connais... Moi, ici, au Québec, là, pour avoir été DJ dans tout, beaucoup de cabanes à sucre puis des champêtres là, dans le fin fond des bois, là, ces gars-là, là, c'est toutes des familles, ils sont toutes riches. Ils ont à peine un secondaire 2. Il n'y a rien d'élite. Voilà, ils travaillent fort, ils sont appréciés, puis eux, ils redonnent. Je veux dire, avec tous les gens qui sont là, moi, je peux le dire, là, c'est pas pour me vanter. Kenny, on s'est parlé, j'avais rien à y vendre. Dans le carnage, on se croise, on prend une marche, j'ai rien à y vendre. Non, c'est vrai. Bert, tu m'as appelé cette semaine. OK, j'ai peut-être un contrat de DJ, je ne l'ai pas, mais je vais te rappeler. Jordana, première fois, je crois qu'on s'est parlé 30 minutes. Ouais. Il faut se transférer jusqu'à temps qu'il soit une élite. Mais il ne faut pas attendre qu'il soit une élite. Soit une élite, toi. We need to raise our people. Mais je voulais dire une chose, Jordana, tu as posé une question, tu as dit comment on fait pour être gros. Ouais. L'affaire, OK, c'est que je vais te le dire comment on fait pour être gros. Back in the days, quand j'ai sorti mon premier vidéoclip, là, un vidéoclip coûtait 40 000 $. Ouais. On filmait sur du film. OK, j'ai filmé pendant 16 heures, ça a coûté 40 000 $. Aujourd'hui, un vidéoclip, tu peux le tourner avec ton téléphone. Mon téléphone est 4K. OK? Ça veut dire que la qualité qui sort de mon téléphone est probablement mieux que la caméra qu'il y avait il y a pas quelques années. À un moment donné, le Retina Display du iPhone est trop puissant pour ton œil. Le Retina Display de ton téléphone est... Puis le téléphone ne coûte pas 1 000 $. Le vidéoclip a coûté 40 000. Tu veux louer une caméra high-tech aujourd'hui, tu vas payer 30 $. C'est ça que je tente d'expliquer. Nous, voici ce qui arrive. Il y a une chose, par exemple, qui nous avantage de loin sur tout le monde. Il y a un proverbe haïtien qui dit, merci Luigi, on a continué dans le proverbe, qui dit, nous qu'on bat de l'eau pour nous faire beurre. Yeah. Yeah. Okay? Ça veut dire que nous, là, on n'a pas besoin de... Yo, écoute, est-ce que tu sens que tu as besoin d'une télévision, puis de l'éclairage, puis de l'éclairage là pour devenir Jordana La Rochelle, pour faire la table des femmes? Une caméra, donne-moi 200 gouttes de lumière, assois-moi 2-3 personnes, let's go, let's do, let's make this thing happen. Est-ce que je veux dire, le COVID a crasé plein de monde. Est-ce que le COVID t'empêche de faire ton jazz? Jamais. No, you still do your thing. Est-ce que tu comprends ce que c'est expliqué? Je veux dire, les outils sont déjà là. Fait qu'il faut continuer à les faire. Comme Kenny a dit, il faut continuer qu'on pousse, puis qu'éventuellement, quelque chose qui passe, pow! Mm-hmm. Maintenant, par exemple, il y a une chose très importante, c'est que dès que quelque chose fait pow, c'est qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent puis le sortent. Je donne un exemple. Ouais. Est-ce que tu te rappelles de Kevin Raphaël quand il faisait ses affaires de... Il animait les affaires de hockey en créole? Ouais. Oui, c'est pas ça, gosse! Bah, oui, c'est pas Tout le monde était down avec Kevin Raphaël. Oui. Tout le monde était down. Je suis très content pour Kevin Raphaël. Je suis content pour lui parce que je sais qu'il fait son argent comme ça. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Oh, ils l'ont pris et ils l'ont mis ailleurs. Maintenant, est-ce que nous, on peut profiter de Kevin Raphaël? Non. I don't think so. Est-ce que tu comprends? Fait que ça veut dire que si Jordana devient la the next big thing, techniquement, si on t'offre d'aller sur ces réseaux-là, you got you know what? I'm not sure. T'sais, je veux dire, en tant que personne qui désire ton succès, je serais content que tu y ailles si tu donnes 200-300 000 $ par année, you know? Va chercher 200-300 000 $. Peut-être que tu vas pouvoir l'investir sur the next person qui va venir te remplacer dans la prochaine. Mais techniquement, si ça vaut pas vraiment la peine, si tu y vas pour deux, t'écraser comme pour le hype, ma chère, reste dans ton petit YouTube, girl. C'est ça. Ouais, mais en même temps, donne, dans ce que tu dis là pour de vrai, est-ce que pour de l'argent, je vais aller me dénaturaliser? Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que pour de l'argent, je vais aller parler joual dans les réseaux pour que les autres m'entendent? Frère, ça c'est toi, mon frère. Est-ce qu'on est d'accord que ça, c'est toi? Parce que c'est ça que je suis en train de dire. Je vais te donner un exemple, OK? Je vais donner mon exemple personnel, OK? Puis je raconte pas beaucoup ça online. Moi, quand j'ai commencé à faire... je m'appelais Don Dragon. J'étais le top MC. Ouais. Comme les gars qui me connaissent dans le couloir de l'école, là,
Puis les gars qui me connaissent de la télévision, c'est pas la même chose. Quand j'ai ramené mon album à la maison, les gars, ils étaient fâchés, là. OK? Donc, qu'est-ce que t'as fait, Don? Pourquoi? Parce que j'ai sorti mon premier single qui était Amenez-moi des femmes, qui était, selon moi, la version MC Hammer DD Soft de ce que je voulais donner à la radio. Et qu'est-ce qu'ils m'ont répondu, mon gars? Ça, je n'aurai pas ici, t'es malade. C'est ben trop rap. Là, j'ai dit, what? Moi, je suis dans Wu-Tang, déjà dans ma tête. Je suis en train de vous servir du MC Hammer que moi, je connais depuis 10 ans, là. Comme je vous donne la version top de ce que je suis en train de vous donner. Et ils m'ont dit, no, ça ne jouera pas. Musique Plus a pris le vidéo, les autres sont devenus fous. Là, entre le premier et mon deuxième single, les producteurs, ils se sont assis, ils ont dit, Don, what you want to do? Il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, tu comprends que si tu veux aller dans le rap hardcore que tu nous amènes, puis des affaires comme ça, ton plafond à date, pour tous les gens qui l'ont fait avant toi, c'est 40, 50 000 copies. OK? Tu vas plafonner là. Tu ne joueras pas à la télévision, tu ne feras pas de TV, tu vas rester dans l'underground. Là, ils m'ont dit, par exemple, si jamais on peut ajouter un petit touche pop dans ton stuff, peut-être que, sur le coup, je me suis fâché, j'ai appelé ma mère. J'ai dit à ma mère, yo, les gens, ils sont fous, ils veulent mettre des affaires, ils veulent mélanger ma musique, je ne suis pas down, je ne veux pas qu'ils mélangent. Là, ma mère a dit, hey, c'est drôle, hein? Ma mère a fait ma carrière, oui, juste avec cette conversation-là. Elle m'a dit, tu sais où est-ce que tu es, Don? Elle dit, t'es au Québec. Elle dit, nous, on est minoritaires. Elle dit, quand tu vas faire ta musique, là, puis si tu la fais pour, même si nous tous, on l'achète, tu ne feras pas le nombre d'argent que tu penses que tu peux faire. Il faut que tu invites d'autres personnes à venir comprendre. Maintenant, il va falloir que tu arrives à négocier ta musique pour que tu sois capable de la digérer, OK? Avec, tu sais, je veux dire, tu comprends? Avec, tu sais, je veux dire, si tu manges, je ne sais pas moi, s'ils veulent mettre, si je ne sais pas moi, tu es en train de manger un griot, il y a quelqu'un qui veut mettre du ketchup, tu n'es pas supposé mettre du ketchup, but you know, peut-être que si tu manges avec quelqu'un d'autre, c'est ça, si tu manges avec quelqu'un d'autre, peut-être qu'il va falloir que tu vas accepter qu'il faut, si tu veux qu'il mange, qu'on mange, qu'on fasse les affaires, il va falloir que tu prennes du ketchup, il va falloir faire un compromis. Bro, j'ai compromis, mais quand j'ai sorti Don One avec le T-Rex sur un hélicoptère, Don Carnage was born for life, ça c'est resté, je veux dire, ça a pris 20 ans pour qu'un autre MC mette un hélicoptère dans un vidéoclip, c'est pas un black. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? So, il va falloir qu'on dose notre façon de nous présenter. Est-ce que tu comprends? Mais ça reste que on parce qu'on le fait pas seulement pour nous. Le fait pas seulement pour nous. Moi, mes clients du Sam sont pas tous noirs. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Quand j'ai quelqu'un au Maroc, il sait pas qu'est-ce qui se passe à Montréal. Il n'y a pas rapport. Ou quand je ramasse quelqu'un qui est à Terrebonne ou dans le fin fond du nord de, je sais pas moi, Saint-Sauveur et compagnie, il n'y a aucune idée de ce qui se passe à Montréal-Nord. Moi, je dois me présenter de façon à ce que ces personnes-là me fassent confiance. Est-ce que tu comprends? Je le fais pas seulement pour nous. Mais quand tu dis qu'il va se présenter à la télévision, il va se dénaturer. Non. Il va s'ouvrir sur le monde. Et c'est à lui de savoir quelle partie de sa personnalité est élastique. Moi, j'irai pas par les joies. J'irai pas, je vais pas le faire. Il y en a qui vont le faire, mais je vais pas hate la personne qui le fait, par exemple. Parce que je comprends. Mais, par exemple, si tu vas me faire honte, là, t'as un problème. Je pourrais même compléter avec ça, Don, pour partager aussi, parce que ça s'applique aussi dans les communications, parce que c'est l'important, un peu la base de tout. Mais à Musique Plus, on m'avait approché pour que je sois un animateur, parce qu'il y a beaucoup de monde qui m'avait vu de faire ça depuis 96, 17, 18. T'as de l'âge du prochain Normand, puis nanana, t'es un bouffon. Je dis, non, c'est pas c'est ça. Là. Voilà. So quand j'ai eu une ouverture, j'ai eu une porte par l'entremise du directeur de caméraman, qui était un ami à moi, Pat. Il m'a dit, je vais te donner un passe-droit, va voir, puis ça va marcher. OK, on m'a accepté. Puis quand j'ai regardé les autres compétiteurs, puis j'ai regardé qu'est-ce qu'ils le faisaient faire, j'étais comme, non, j'ai été un clown. So, j'ai reculé à la troisième round, et puis là, elle m'a dit, ah, pourquoi? Je dis, ben, je trouve que ça me reflète pas. Elle dit, OK, pas de problème. J'ai appelé le gars, un Québécois, Pat. Puis j'ai dit, ah, Pat, j'ai reculé de ça. Il me dit, ah oui, pourquoi? Elle dit, je crois pas que ça me représente. Ça aurait été bouffon. Il me dit, ah ouais. J'ai dit, ouais. Il dit, tu sais quoi, Luigi? Je te respecte deux fois plus maintenant. Voilà. Puis il y a beaucoup d'artistes, puis Don le sait, hein. Il y a beaucoup d'artistes depuis 10, 12, 13 ans, depuis que je suis revenu de Floride, là. Luigi, j'aimerais ça que tu sois mon gérant. Luigi, si. Mais comme il a dit, hey, c'est pas tout le temps ta sauce piclise, là. Faut qu'on va prendre un petit cop de ketchup, là, parce que demain matin, là, Real Blabla, là, de compagnie 10, lui, il va vouloir du ketchup,
puis tu vas rien dire, parce que là, c'est le côté business, puis c'est ouais, le côté... Mais il y en a voilà, beaucoup. En tant que, je le dis, en tant qu'animateur, donne le sait, j'essaie de transférer mon expérience, mes connaissances. Yo, pas vous l'étendez. Yo, qu'on est, c'est pas la même chose. J'ai 39 ans, t'en as 45. C'est... Non. Oui, t'es vieux. Bon, ben, y a quelqu'un qui m'a dit ça. Quincy Jones appelle Minister Farrakhan pour qu'il donne le numéro de Snoop pour qu'il fasse quelque chose avec Wyclef. OK? Puis ces deux-là, ils vont investir avec quelqu'un qui a une banque black à Atlanta. Il y a tout un réseau qu'il faut qu'on accepte et qu'on reconnaisse que j'ai une force. Luigi, il a de l'air à savoir qu'est-ce qu'il fait. Moi, je suis l'artiste. Moi, je suis l'animateur. Greenly, c'est la recherchiste. Comme je t'ai dit tout à l'heure, Jonathan, c'est ça qu'il a fait. Bird, c'est le co-animateur. Il faut respecter le rôle de chacun. Puis voilà, il y a du monde qui va en voir. On bouge ensemble. Hey, exact. Ouais. Je veux dire, Quincy Jones, tous ces gars-là, là, juste aller. Will Smith, c'est comme ça qu'il était signé pour Fresh Prince of Bel-Air. Il est allé chez eux pour un simple party, s'est assis, ils ont pris une napkin. Ils ont fait Fresh Prince of Bel-Air sur une napkin. Ouais. So, moi, je peux le faire aussi, mais tu me fais-tu confiance? Relax. Voilà. Moi, je le connais, voilà. Don. Toi, tu as 26 ans ou 24 ans. Moi, Don, il me connaît. J'y parle. Ouais. Arrête. Ouais. Don, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne quel genre de cours? Tu comprends? Voilà. Mais il y a ici encore toute cette humilité qu'on n'a pas à dire que Don est Don, Ken est Ken, Bert est Bert. Reconnaître les gens, reconnaître leur expertise, leur talent. En parlant de tout ça, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, ça passe tellement vite, mais en parlant d'unité, de rôle, que chacun, qu'on travaille individuellement, mais collectif en même temps, je vous pose une question, un deux en un, parce qu'il nous reste peu de temps. Est-ce que vous croyez que là, plus que jamais, on a besoin d'être solidaire? Et qu'est-ce que vous pouvez conseiller aussi présentement à nos frères et sœurs qui sont dans les entreprises, qui ont des entreprises qui ont au niveau médiatique, qui veulent faire quelque chose? Qu'est-ce que vous pouvez conseiller? Et est-ce que, plus comme tu as dit, est-ce qu'il faut qu'on soit capable de respecter le rôle de chacun? Dites-moi ça pour qu'on puisse conclure. Luigi, vas-y. Bon, je vois déjà aller. Regarde. Qui commence? Ok, donne, vas-y. Kenny. Wake up, man. Je pense qu'il faut, de un, les choses, il ne faut pas avoir peur. De deux, il faut... Je pense qu'il faut qu'on ose vouloir des choses. C'est pas juste dream, là. C'est juste qu'il faut oser vouloir se dire, OK, moi, je veux qu'on soit le next, je sais pas, tu sais, le truc des marchés financiers, mais disons, moi, je veux faire ça, mais que ce soit représenté dans une diversité, tu sais. Que mostly people of color, des gens qui sont comme pas nécessairement... que ce soit ouvert à tous, mais tu sais que ça favorise un peu monsieur, madame, tout le monde, puis des gens qui viennent de différentes démographies. Puis je pense qu'il faut être prêt à... Puis ça revient un peu à ce que Don puis Lucie disait. Il faut qu'on puisse être en mesure de s'exposer, d'exposer une plus grande diversité de choses. Mm-hmm. Voilà. Pas seulement... Puis là, c'est vieux comme le monde, là. C'est rien de nouveau, mais tu sais... Comme on peut ouvrir autre chose que des barbershops, puis des coachs de basket, puis des casse-croûtes, puis des X, Y, des choses. Moi, je suis content de voir des personnes de couleur comme get money in different arrays. Tu sais. Exactement. De toute façon, tu sais. Il n'y a aucun son métier. Ouais, puis il faut oser. Tu sais. Je pense que l'important, c'est vraiment d'oser, puis d'être comme disait Luigi, yo, look, moi, je. I love rap, mais j'ai l'impro aussi. Puis l'impro, il n'y a pas grande personne noire qui en fait au Québec. Totalement. Puis c'est de voir comment est-ce qu'on peut adapter ça, puis que ça me ressemble, puis sans me shortchange, tu sais, sans me vendre au prix le plus bas. Voilà, je suis d'accord avec ça. OK. Encore une fois, j'ai plein de flash parce que j'en ai fait des combats à la George Floyd. J'ai rappé au Cégep à Hansik en 91 par rapport à Marcellus François. La technique policière, certains étudiants voulaient me mettre dehors du Cégep à Hansik. Puis j'en ai vu, comme j'ai dit au début, j'ai rencontré le KKK dans ma vie, tout ça. Puis Villanueva, le petit jeune, je l'ai vu le mercredi d'avant le décès, sur ce même banc-là.
parce que moi, j'habitais plus à Montréal-Nord, mais je me prenais toujours à vélo à travers Montréal-Nord, puis j'en avec tout le monde, à chaque été, tout le temps. Ça fait longtemps que j'habite plus à Montréal-Nord. Tout le monde pense que j'habite à Rivière-Montréal-Nord. J'habite dans l'un et l'autre depuis 10 ans. Tout ça pour dire que on peut pas contrôler quand qu'on est, puis on peut pas contrôler quand qu'on décède. Mais tout ce qui est dans le milieu, il faut le maximiser. Puis, comment je pourrais dire? J'essaie de trouver les bons mots. Il faut le maximiser avec humilité. Mm-hmm. Puis ça, j'ai fait ma nouvelle affiche pour mon YouTube, OK? Puis j'ai repliqué Malcolm X dans la fenêtre quand il a regardé. Oui, je l'ai vu avec un livre dans tes mains. I see it. Non, avec c'est mon téléphone, avec mon trépied. OK, oui, je l'ai vu. Ouais, je le tiens comme ça, comme si c'était mon arme. Puis qu'est-ce que le monde ne remarque pas, c'est les trois livres qui sont en arrière. Le livre de Michelle Obama. L'autre, c'est Farrakhan, Comment manger pour vivre, How to eat and live, from Elijah Mohamed. Et le troisième livre, c'est un livre que j'ai adoré, puis il y a même une version YouTube. Je vous invite à voir ça. Je vous laisse sur ça. C'est ça. Le livre s'appelle, et le titre du livre, l'histoire, c'est Who moved my cheese? Et c'est l'histoire de deux souris qui n'ont plus de fromage, mais s'ils continuent dans le labyrinthe, ils en auraient trouvé, mais ils refusent de parcourir puis d'aventurer. Je vais tout vous le partager, ça me fera plaisir. Il y a un livre, mais il y a aussi un 15 minutes vidéo YouTube. Je vais le chercher. Sortir de sa zone de confort. Je crois que moi, j'étais à Calgary, j'étais à Ottawa, j'étais à New York, j'étais à Miami, j'ai travaillé pour des actionnaires qui étaient des... I seen it. Je veux sortir quelqu'un de Montréal-Nord puis montrer que Montréal-Nord finit à Saint-Michel-en-Bourassa. Puis il y a francophonie. Tout le reste du monde. Puis il y a Pointe-Claire. Puis après Pointe-Claire, il y a Saint-Lazare. Puis après Saint-Lazare, il y a Hawkesbury. Puis tout d'un coup, tu es à Ottawa. Viens! Viens! Entre le jour qu'on est, qu'on n'a pas de contrôle, et le jour qu'on meurt, qu'on n'a pas de contrôle, sors de ta zone de confort. Ben, le monde est plus Ouais, surtout maintenant. Ouais, bon, vous savez ce qui est cool quand tu réponds en dernier, c'est parce que tu peux surf sur les deux. Oh boy! Oh boy! Rule number one, c'est Luigi qui l'a dit. Ouvre le livre. Ouvre le livre. Qui a dit? C'est pas Willie Lynch qui avait dit, si tu veux pas qu'un noir sache quelque chose, mets-le dans un livre. Put it in the book, ouais. Si tu veux pas qu'un noir sache quelque chose, mets-le dans un livre. Yo, ouvre le livre. Moi, je peux dire que tout ce que j'ai créé, tout ce que je tiens présentement, c'est écrit dans un livre. Mon mentor littéraire présentement, OK, voilà. OK? Mon mentor littéraire présentement s'appelle Tim Ferriss. OK? Il a écrit The 4-Hour Work Week. Il y a toujours le Rich Dad Poor Dad. The 4-Hour Work Week. C'est cool. Tim Ferriss is a genius. J'ai lu The 4-Hour Work Week, j'ai lu toute la série. Dès que Tim Ferriss sort quelque chose, je l'achète, je le lis. Et puis, tu sais, qu'est-ce qui me stoppe, c'est qu'une fois que j'ai lu quelque chose, moi, je ne lis pas de roman, là. Tu sais, je n'ai pas lu The 50 Shades of Grey. Moi, quand j'ai lu quelque chose, tout de suite après, je charge 10$ de plus pour faire mon travail. Because I got a new skill. Ouais. Yes! Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Je ne suis pas allé à l'école pour l'apprendre l'espagnol. Je l'ai appris seul. OK? Mais ahora yo puedo hablar español y te puedo enseñar en español si es necesario. Que como yo lo puedo hacer. C'est ça que je dis, là. Ça veut dire que si tu ouvres le livre, OK, si tu ouvres le livre, you can become whoever you want to become. Ouvre le livre. Maintenant, deuxième affaire. Trust your own. Fais affaire avec... Il y a quelqu'un qui avait dit, « Oh, moi, je ne fais pas affaire avec un haïtien parce que... » Yo, quand un blanc te donne un mauvais service, est-ce que tu arrêtes de faire affaire avec les blancs? Non. OK? C'est vrai. C'est la fois que je déteste le plus entendre. Il y a un mauvais haïtien. Écoute, tu veux, je te dis, Jordana, moi, parce que moi, tu sais pas combien d'entrevues j'ai refusé. Pourquoi tu penses que je suis venu? Parce que quand j'ai regardé ton store, je me suis dit, ah, OK, je peux me mettre là. Jordana n'a pas fait mon honte. Ouais. J'aime bien paraître dans son livre. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ça implique deux choses. Ça veut dire, quand tu offres ton service, tu dois offrir le service le plus impeccable. De toute façon, on nous a toujours dit ça, qu'on devait être meilleur que les autres. On nous l'avait déjà dit. Use that. T'as besoin d'être meilleur. T'as besoin d'offrir le service le plus impeccable. Maintenant, toi, en tant que noir aussi, va chercher l'autre noir pour qu'il puisse offrir le service le plus impeccable, puis paye-le. Parce que quand ton ami est riche, c'est bon. On allait, tu sais, tu parlais de salon, un méga salon, ce serait cool. Au lieu d'ouvrir 12 000 salons, nous, on allait chez Réul. Tout le monde allait chez Réul. Bon, qu'on n'y a pas besoin, là, encore. Mais...
Tout le monde allait gérer une, là. Une qui était dans le sous-sol chez sa mère. Éventuellement, c'est devenu un édifice. Big deal, yeah. Et aujourd'hui, on aurait eu assez d'argent pour investir sur des jeunes noirs qui font des choses possibles. On le parle, puis je vois son logo. Tu le sais qu'il met de l'argent dans sa communauté parce que sa communauté lui a donné de l'argent. So we need to do that. Yeah. En dernier, shine. T'as besoin de shine. Yeah. T'as besoin d'être le meilleur dans ce que tu fais. Shine. Les gens vont venir. Ils vont s'approcher. Ils vont s'approcher. Keep doing your thing. Arrête pas. Continue à battre ton eau pour faire ton beurre. Keep doing your thing. Éventuellement, quelqu'un, ton téléphone va sonner. Ton téléphone va sonner. Continue à faire ton affaire. Offre le meilleur service que tu peux. Puis là, quand il va y avoir 2, 3, 4 noirs qui disent, yo, Nexa, monsieur, bye, service là, monsieur, bon, yo, oh, Nexa, oh, pas qu'on est, monsieur, Nexa, parle 5 langues. Mais oui, oh, et puis monsieur, pas à l'école, non. Et puis là, les gens commencent à donner, push. Éventuellement, il va arriver, on va former ce Justice League. Est-ce que tu comprends? Parce que, moi, il y a des, est-ce que tu penses que je vais aller animer comme Luigi anime? Mais par exemple, quand quelqu'un me dit, yo, tu cherches un animateur, donne. Je suis comme, yo, I got the person for you. Et dès que je donne le numéro de Luigi, je vais dormir, là. Because I know for a fact qu'il ne peut pas manquer ça. C'est exactement ce que je suis en train de t'expliquer. Ça veut dire que we need to be, on a besoin d'être une espèce d'ensemble, puis on va bouger tout seul. Éventuellement, on va le faire, notre argent. Il y a quelqu'un qui va faire, pow, qui va amener tout le reste. Tu sais, ça reste que, je te donne un exemple, je vais finir là-dessus. Check Buzz Benz. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont trash sur Buzz Benz. Mais ça reste. Ok, moi, personnellement, j'aime Buzz Benz parce qu'il est jolet, parce qu'il back up son jolet. Ouais, je l'aime beaucoup, ce gars-là. Il a fait ça. Premier haïtien, tu connais qui sont partis d'Haïti, qui sont à la télévision à Boston, à Montréal, à New Jersey, en France, au Québec, sur les ondes câblées, sur Internet. Ok, combien de personnes tu connais qui roule un Range Rover avec sa face dessus? Je veux dire, tu peux critiquer le type, mais en attendant, est-ce que toi, t'en as un Range Rover avec ta face dessus? Et lui, le fait! Ben, shut up! Ben, just shut up! Sinon, fais mieux que lui. C'est tout. Sinon, fais mieux que lui. Mets pas des bâtons dans tes roues. Fais mieux que lui, sinon retire-toi de sa route. That's all I'm saying. Nous, en tant que noirs, on est supposé faire ça. Si j'aime pas ce que Luigi fait, c'est que moi, par exemple, je suis supposé passer dans l'inbox pour dire, yo, Luigi, t'as là, lui. Je suis pas supposé aller sur ma page Facebook et dire, ah, Luigi! Non! Ah, c'est ça. Tu comprends? Ouais. Dès que Luigi a corrigé, je suis supposé le pousser en avant pour dire, yo, t'as besoin d'un animateur, yo, this dude can handle this business. Ça fait longtemps qu'il se fait. And that's what it is. Éventuellement, quand tout le monde va commencer à se connaître comme ça, quand tout le monde va pouvoir se voir comme ça, you know what? On va arriver, parce qu'on va venir nous chercher anyway. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a plus d'argent que toi, qui a besoin de faire plus d'argent en utilisant tes talents. Make, you know? Make it sit look cool, ouais. That's it. Just make it happen. Make it big. Messieurs, ouais, wow. Yes! Berber! Premièrement, je veux dire merci Don, merci Luigi, merci Kenny. C'était magnifique. Écoute, moi, vous m'avez donné des ailes aujourd'hui parce que même il y a des choses que au niveau de moi, j'ai plusieurs cordes à mon arche. Fait que je fais plusieurs choses aussi. Je suis dresseur canin. Il y a des choses que je mets même pas en avant, puis après ce que les mettre aujourd'hui, là maintenant là, c'est dead. À chaque fois que je vais arriver à quelque part pour pouvoir amener d'autres personnes avec moi, je vais mettre toutes ces affaires là devant pour pouvoir shiner aussi, pouvoir montrer aux jeunes qu'on fait partie de cette expertise là, on fait partie de cette élite là, puis on va continuer à avancer, on va continuer à les amener avec nous, puis c'est avec vous guys en ayant des discussions comme ça que tranquillement, pas vite, on va changer les choses. Merci. Ouais. Agreed. Merci, yo. Pour le vrai. Mais moi, en attendant, merci. Moi, je suis content d'être là. Moi, je suis content d'être avec vous. Je suis content d'être avec Kenny. Je suis content parce que c'est du monde que je vois évoluer depuis longtemps. C'est du monde qui était comme, tu sais, I got true love for my brothers. Tu sais, je suis content de les voir faire. Tu sais, je veux dire, si Kenny est assis, puis il fait quelque chose, tu sais, comme quand quelqu'un dit, ah, j'ai besoin d'un cours d'écriture, je dis, ah, ouais, check Kenny, il va te donner un coup de main. Va voir Kenny, va voir Luigi. J'aime ça. D'ailleurs, moi, j'ai ce qu'on appelle un Mission Impossible Team, OK? J'ai mes gars qu'on m'appelle de MIT. Il y a mon boy, si je l'appelle maintenant, je le mets sur speakerphone, il va répondre, j'accepte l'admission. Pourquoi? Parce que je leur dis, les gars, je ne vais pas vous embêter tout le temps, mais quand j'ai un contrat qui rapporte de l'argent, c'est toi que j'appelle. Puis tu as besoin de répondre le téléphone. Tu comprends? Puis là, mais qu'est-ce que ça fait? Quand quelqu'un me demande quelque chose comme, yeah, I can fix this. Mais j'ai l'air bien, mon gars. J'ai l'air, je parais bien quand tu rends le service à la hauteur de ce que j'avais dit que tu le ferais. Je suis violet parce que j'ai ta carte dans ma main. Je peux profiter de ton succès.
Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? I'm loving it. I'm loving it. Moi, j'adore ça, messieurs. Écoutez, c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. Mais si je vous appelle, vous allez revenir, non? Of course. Just call. Of course. Yes. Like we family now, comme literally, yeah. Like you know. Yeah. Le livre. Monsieur, merci. La prochaine fois que tu viens là, il faut que tu lis le livre. Vos informations vont être inscrites. On n'a pas oublié le livre. Oublie pas de nous envoyer les infos là. T'as dit de nous envoyer vidéo, tout ça pour qu'on aille regarder. Ouais. Tous vos infos vont être inscrites en bas de l'écran. Merci. Comme ça me fait vraiment chaud au cœur que vous avez pris du temps. Je sais que vous êtes pas mal occupés. Vous avez, comme je vous dis, un bon CV. Hein? Donc vous êtes occupés, messieurs. Vous avez pris 2 minutes pour juste participer à mon émission. Merci. Ça fait très, très chaud. Merci de nous avoir invités. À la prochaine, c'est sûr et certain que je vous réinvite encore pour qu'on puisse jaser encore plus. On a besoin de ça, puis la communauté a besoin de vous. Vous êtes des inspirations, puis continuez votre bon travail. Merci. Et je vous vois des gens.